Je trouve que voilà, au travers d'un travail d'ordre thérapeutique avec, euh, avec un psychothérapeute ou éventuellement d'autres thérapeutes, mais qui de nouveau sont, sont bien euh, bien spécialisés dans le burn-out, c'est vraiment important. C'est fondamental en fait, c'est ça qu'il faut traiter parce qu'effectivement la donnée physiologique. Même si le patient a développé parfois des symptômes qui sont vraiment relativement graves, on va arriver au bout. C'est pas ça, c'est pas ça la question. Bon, parfois, il y a des symptômes qui sont beaucoup plus violents que d'autres. Ils peuvent avoir développé des crises d'acouphènes. Ils peuvent avoir développé un ulcère. Ils peuvent avoir une réelle blessure dorsale qui demande une intervention. Il peut y avoir vraiment énormément de choses. Mais bon, finalement, on arrive quand même en général au bout. Ce n'est pas, pas tellement ça la question. La question fondamentale qui sera réglée avec eux, effectivement, c'est ce, cet épuisement émotionnel. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là Et ce qui est très important quand même de mettre aussi en avant, c'est que même s'il se traduit dans un premier temps dans le domaine professionnel, il est évident qu'il se traduit également à la maison et que c'est un processus qui est en route probablement.